Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Ile-de-France du système de signalisation Nexteo. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Ile-de-France Mobilité, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom. Le reste de l'actualité avec Elior, un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concession, table sur 56 millions d'euros de synergies annuelles récurrentes d'EBITDA à horizon 2026 liées à l'acquisition de DMS contre une précédente estimation de 30 millions d'euros. Enfin, Interparfums, le spécialiste des parfums de prestige, était bien orienté après y avoir confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.